Chers téléspectateurs, MTN vous permet de mieux apprécier vos candidates en faisant une incursion dans leur quotidien. Je suis demoiselle Adingra Ange-Marie, élève en classe de terminale A et j'ai 20 ans. Je suis issue d'une famille de 5 enfants dont je suis l'aînée. J'ai des loisirs. J'aime beaucoup écouter la musique et lire. J'ai fait un parcours sans faille de la classe du CP1 à la terminale A. Mon plus grand rêve, c'est d'être hôtesse de l'air, voyager partout dans le monde et apprendre plusieurs langues. C'est ma mère qui m'a motivée à me présenter aux élections Miss Côte d'Ivoire, vu qu'elle a été aussi Miss en 99 à Bondoukou. À la maison, j'aime préparer du riz à la sauce aubergine. Je cause beaucoup avec mes soeurs, mes cousines. Je serais très honorée de représenter la Côte d'Ivoire au plan national et international. Pour cela, on va t'avoir par appel ou message et tu ne seras pas déçue. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je suis Saou Marie-Thérèse, candidate numéro 2. J'ai 20 ans, je suis en terminale D. Je me suis présentée à Miss Côte d'Ivoire parce que je pense que je suis belle. Et j'ai été encouragée aussi par ma famille, mes proches, mes amis. Si jamais je suis élue Miss Côte d'Ivoire, ce serait un honneur pour moi de représenter mon pays. Et ce trophée-là, ce titre, pourrait me permettre d'aider les jeunes filles, surtout les jeunes filles, et aider la population ivoirienne. Moi-même étant d'un quartier pas très aisé, je voudrais profiter de ce titre-là pour aider les jeunes filles parce que nous sommes confrontés à certaines réalités de la vie, comme la non-scolarisation des jeunes filles et la mutilation génitale. Votez pour moi en envoyant 2 par appel ou par SMS afin qu'ensemble nous puissions porter haut le flambeau de la beauté ivoirienne partout dans le monde. Je suis la candidate portant le dossard numéro 3 et je réponds au nom de Diwa Angela. Je suis la benjamine d'une famille de 5 enfants, dont 4 filles et 1 garçon. J'ai 20 ans. Je suis étudiante en BTS 1 de finance comptabilité et de gestion d'entreprise. J'ambitionne être expert comptable en vue de mieux gérer les ressources financières en entreprise. J'aimerais porter le titre de reine de beauté en vue d'être l'ambassadrice de la paix et de la tolérance en Côte d'Ivoire et au-delà des frontières. La véritable reine de beauté n'est pas uniquement celle qui renferme les atouts physiques, mais c'est plutôt capable de défendre son pays au-delà des frontières. Aussi, j'aimerais sensibiliser mes parents, car je suis originaire d'une ethnie syncrétiste, dit Ouan. Salut, je suis la candidate numéro 3 et je réponds au nom de Diwa Angela. Alors tous à vos téléphones afin de voter pour moi, pour que je sois la candidate de la paix et de la tolérance en Côte d'Ivoire et au-delà des frontières. Je vous remercie. Je suis Mademoiselle Siloué Huguette, candidate numéro 4 à l'élection Miss Côte d'Ivoire 2013. J'ai eu le bac C en 2009 à l'âge de 17 ans. Présentement, je suis en licence 2 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. J'ambitionne poursuivre ma carrière en expertise comptable parce que je projette de travailler à ma propre structure, à mon propre compte. Je me suis présentée au concours Miss Côte d'Ivoire 2013 parce que je pense avoir les qualités physiques, morales et intellectuelles nécessaires pour participer à ce concours et dignement représenter la beauté ivoirienne. Car il nous permet de nous mettre en valeur, de pouvoir poser d'exemples nobles en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Je pense que ma contribution à ce concours pourra permettre aux personnes démunies de vraiment savoir qu'il y a des personnes dans ce monde qui pensent vraiment à leur situation et qui veulent vraiment leur venir en aide. Tu veux vraiment d'une Miss digne de la Côte d'Ivoire? Alors envoie 4 par appel ou par message. Je ne te décevrai pas. MTN, everywhere you go.